Le réchaud Minimo de chez Jetboil est un réchaud à gaz optimisé 2 en 1, comprenant une popote et son brûleur, ce qui permet d'avoir un ensemble léger et compact. Ce réchaud à gaz pèse 415 grammes et permet de porter à ébullition 500 ml d'eau en 2 minutes 15, sachant qu'ici vous avez une capacité d'1 litre. 2 minutes 15, pourquoi? Parce que ce brûleur génère 6000 BTU, c'est-à-dire 1,75 kW, en milliers bien sûr. Et ces performances sont obtenues grâce à ce système optimisé qu'on appelle le système FluxRing. C'est en fait le dos de la casserole qui est un dispositif avec des ailettes qui permet une meilleure répartition de la chaleur et qui va venir se concentrer au centre de la casserole. Ensuite, ce dispositif vient se connecter ici et ça fait office de paravent. Donc même quand il y a du vent, et à la limite même c'est même mieux qu'il y ait un peu d'air, ça vient vraiment optimiser la flamme sans gêner son fonctionnement. Alors, il y a d'autres aspects techniques qui sont intéressants et aussi des aspects pratiques. D'un point de vue pratique, vous avez une casserole avec deux poignées repliables, poignées qui sont revêtues d'un revêtement en plastique qui permet de transporter la casserole sans se brûler. Un couvercle qui fait office de passoire, de bec verseur et qui permet de transporter votre popote sans risque de renverser son contenu. À l'intérieur de ce couvercle, lors du transport, lors du rangement, vous allez pouvoir mettre en place le trépied pour plus de compacité. Ce que vous devez retenir sur ce réchaud et sur cette popote Minimo, c'est son format. Chez Jetboil, habituellement, on a des formats qui sont plutôt longs. Là, on a une capacité égale entre le flash et le minimo d'1 litre. Sur le flash, vous avez une grande casserole et là, vous avez une casserole qui est beaucoup plus large. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir un accès beaucoup plus direct au contenu de votre casserole et vous n'êtes pas obligé de mettre une grande cuillère pour touiller. Par exemple, si vous préparez un plat cuisinier lyophilisé et que vous versez son contenu à l'intérieur, vous avez besoin d'une petite cuillère. Donc c'est un côté pratique qui nous semble très intéressant sur ce minimo. Pour rien gâcher, lors du rangement, vous allez pouvoir donc déconnecter votre cartouche de gaz, cartouche qui est vendue séparément et qui n'est pas livrée avec le réchaud. Et vous allez pouvoir ranger le brûleur à l'intérieur, ainsi que le couvercle. Sachant que ici, comme c'est un modèle de présentation, là, je ne l'avais pas, mais il est livré avec une sorte de bol qui vient se connecter ici, qui vient protéger lors du transport le répartiteur de flammes. Et ce bol, il fait aussi office de bol où il y a une graduation, vous allez pouvoir vous en servir pour mettre des aliments. Mais c'est pas ce format. On a un petit sac de rangement pour glisser le brûleur à l'intérieur de la popote sans rayer le revêtement en aluminium anodisé dur. L'anodisation évite que vos aliments soient en contact direct avec l'aluminium, sachant que l'aluminium est un alliage qui est très intéressant pour les casseroles de cuisine, puisqu'il a des performances de chauffe inégalées. Pour revenir sur les aspects techniques de ce réchaud, donc là vous avez le brûleur avec l'allumeur par piézoélectrique qu'on vient actionner par le bouton ici. Ici vous avez le robinet de réglage qui permet un réglage vraiment très fin de la flamme. D'ailleurs, vous pourrez être étonné au démarrage de votre réchaud qu'il faut tourner un certain nombre de tours pour entendre le gaz sortir du réchaud. C'est ce qui permet de faire mijoter de bons petits plats. Et ici, vous avez un régulateur. Ce régulateur permet d'utiliser ce réchaud
en altitude, aussi par basse température, aux alentours de 0 degré, voire même en dessous. Et surtout, il permet une puissance constante, quel que soit le niveau de gaz restant dans votre cartouche. Pour bien comprendre le phénomène, quand vous avez un réchaud standard, plus le niveau de gaz restant dans la cartouche descend, plus la puissance de votre réchaud va diminuer. Or, avec ce système, ce fameux régulateur, quel que soit le niveau de gaz restant dans votre cartouche, la puissance du réchaud restera égale. Sauf qu'à la fin, quand il n'y aura vraiment plus de gaz dans la cartouche, le système s'arrêtera complètement. Ce brûleur est compatible avec les cartouches de gaz à valve filetée, c'est-à-dire vissable, que vous trouverez facilement sur le marché. Donc, on vient le visser comme ça. Le réchaud est livré avec un support de cartouche qui permet une meilleure stabilité. Ça, c'est vraiment très très pratique. Donc, il vient se connecter, compatible avec cartouches de 100 grammes, 230 grammes et 400 grammes. Et là, on vient connecter la casserole par-dessus, puis mettre le couvercle. Après, l'allumage est très simple, pas besoin d'allumette, pas besoin de briquet. On actionne le robinet. Donc, il faut attendre un peu pour la sortie du gaz. Là, on l'entend et on allume le piezo électrique. Voilà. Donc là, on a une sortie de flamme. Donc l'ensemble fait 415 grammes. Capacité d'un litre. Un réchaud pour une à deux personnes. Et on a une consommation qui permet, avec une cartouche de 100 grammes, donc une cartouche de 100 grammes, ça ressemble à ça, qui permet de faire bouillir 12 litres d'eau. Donc 12 fois cette capacité. Et le temps d'ébullition pour la moitié, donc pour 500 ml, c'est 2 minutes 15. Si vous avez des questions sur ce réchaud 2 en 1, ce réchaud optimisé minimo, n'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis vous retrouverez ce modèle JetBall sur notre site www.monrechaud.com.